j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc cette vidéo-là, je la tourne le mardi 9 novembre. Donc on va faire une petite miniature. On va faire donc ceci. Vous voyez, où on met la fleur dessus. Donc ça sera les pièces vertes. Donc ça sera B2, B5, B1, B6, B7... B8, B4, enfin tous les B de la plaque verte comme ceci. J'ai commencé à regarder pour les enlever. Donc j'ai dû là utiliser un cutter pour ne pas endommager les pièces. Donc je vous mets sur mes mains. C'est parti! Voilà. Donc j'ai déjà enlevé trois petites pièces. Alors vous voyez là. Je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a un petit, zigouigoui qui dépasse. Donc, on prend son petit papier de verre et on va venir frotter tout doucement pour que ça revienne tout doux. On ne sent plus rien, quoi, sous les mains. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Voilà. Ensuite, celle-ci, on va aussi faire, parce qu'à partir du moment où on utilise un cutter, forcément, les petits pitons de bois, là, ils restent un peu... Donc, hop, on enlève avec le petit papier de verre. Ça marche super bien. Alors, la petite tige, là, c'est le B6. Ah, elle est toute petite, hein. Alors, rien pour faire passer. Bon, ça va quand même, ça se passe bien. Donc, on est le 9 novembre. Je pense que celle-ci paraîtra... faut que je regarde. Faut que je regarde au niveau de la programmation. Quand est-ce que je vais la mettre? Voilà. Donc, on va retirer. De toute façon, il va nous falloir toutes les pièces. Mais on va y aller doucement. Parce que, je vous explique, les pièces ne sont pas numérotées dessus comme le meuble. Voilà, donc on va regarder un petit peu comment ça se passe, d'accord? Bon, ça, je sais que c'est le B5. Alors, il nous faut le B1, non, le B2, donc celle-ci, le B5, la petite tige, et ensuite, on va mettre le B1. Donc, moi, je vais faire 3 pièces par 3 pièces. Donc, c'est ces deux-là, plus la petite tige qui est là. Parce que vous voyez, les chiffres, ils sont pas posés dessus. Puisque comme on ne peint pas le bois, donc ils n'ont pas mis le chiffre dessus, ce qui est un peu normal. Donc, il va falloir coller ça sur... Alors, est-ce qu'on colle dessus? Oui. Donc, la petite tige, elle va venir se coller sur le rebord de la pièce B2. D'accord? Allez, c'est parti. Je me suis trompée, j'ai sorti la peinture. Au lieu de la colle, là, ça va pas le faire. Hein. Non, 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 non. Alors, est-ce que j'ai un papier? Non, je vais chercher un papier pour mes mains. Hop. Parce que je sais bien que je vais m'en coller sur les doigts. Hein. Ah bah oui. Sinon, c'est pas drôle. Donc, on va le mettre dans le sens là. Regardez bien des fois vos pièces, parce qu'il peut y avoir des petits défauts. Donc, mettez-le en dessous s'il y a un petit défaut. Donc, on va venir mettre de la colle au bord. Donc, de la plus grande, hein, comme je vous ai dit. Hein. Ça coule toujours autant, hein, oui, oui, oui. Donc, c'est la B2. Hop. Je suis contente, vraiment contente que ça vous ait plu, la première, et que vous m'ayez demandé de continuer avec vous. Donc, on va coller la petite B5 dessus pour nous faire un petit rabat. Alors, est-ce que ça va être le banc? C'est possible. Je le colle bien parce que, oui. Cette fois, je prends mon temps. Hein. J'ai de la colle en plus qu'à ce qui est sur le côté, là. Bon, alors... Hop. Voilà, ça se colle comme ça. Je vais regarder si
je suis bien alignée avec le plateau. Ah, il faut vraiment regarder le moindre détail. Hein. Hop, voilà. Donc ça va nous donner ceci. Je sais pas. Donc vous allez le voir. Oui, vous voyez là. Vous voyez, ça déborde un peu. C'est un... Bah, c'est le rebord, en fait, c'est le banc, ça. On est en train de construire le petit banc. Alors, je me suis trompée. C'est pas une verrière, je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez peut-être. Et c'est un arc où il y a souvent des rosiers. Pour faire joli. Donc voilà, on a collé ça. Ah, ben non, parce que j'ai de la colle en fait sur les doigts et du coup, pas se tromper de sens. C'est bizarre que ça se mette comme ça quand même. Non, si c'est comme ça. Voilà. Donc, on va prendre maintenant la B1. Là, ça va être le dossier du banc. Donc, pareil, hein, moi, je suis obligée de le faire. Après, si vous n'avez pas besoin, vous ne le faites pas. Hein. Si vous n'avez rien qui dépasse, vous ne le faites pas. Et ça, on va le coller à ici pour venir le mettre dessus, comme un banc, tout simplement. Hein. Alors, est-ce qu'il est dessus ou dessous? C'est bizarre, ça. C'est pas évident, des fois. Mais oui, il est dessous, donc faut que je mette la colle sur celui-là, en fait. Mais ça dépasse pas trop. Hein. Non, c'est juste pour... la finition, je pense. Donc pareil, hein, il va falloir laisser bien sécher, hein. Vraiment. Hop, parce que là ça bouge encore. Hop. Voilà. Bon, on va mettre de la colle sur l'autre côté du banc. Hop. Hop. Après, j'ai peut-être pas mis assez de colle. Sur le devant, on va voir. S'il n'y a pas assez, je le redécollerai et puis je le refixerai. Alors là, ça ne va pas être simple, hein, par contre. Parce que, en le posant peut-être, oui. Donc bien le placer comme ceci, que ce soit bien droit. Que notre banc ne soit pas de travers. Hein. Ah non, franchement. Alors là, j'ai un peu de colle qui a vomi. Alors, je vais venir la retirer. Tranquillement. Hop. Pour ça, hein, ils nous disent d'avoir quelques outils qui ne sont pas inclus dans la boîte. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne vais pas trop le bouger. Je vais le mettre comme ça. Donc, on obtient... le petit banc. Voilà. Donc, est-ce que le mettant comme ça, ça serait pas mieux? Oui. Voyez, on obtient ceci. Donc, maintenant, on va passer à l'étape suivante. Alors, on a fait ça. On a fait ça. Maintenant, on va faire ça. Et pour faire ça, il faut qu'on enlève de la plaque le numéro... B6, donc c'est les grandes, hein, comme ça. Hop. Donc je prends mon cutter. Tout simplement. Je regarde où sont un petit peu les pointeaux. Hein, c'est un cutter qui se bloque, mais il se bloque quand il a le temps. Hein. Entendez, ça claque. Là, je vois qu'il y en a un. Après, il faut avoir des bons yeux aussi. Hein. C'est pas simple. Allez, rends-moi mon cutter. Merci. Un ici. Voilà. Et ensuite, est-ce qu'on en a un? Eh ben voilà. Hop. On l'a enlevé. Donc pareil, on vient un petit peu enlever les petits picots autour. Si c'est pas bien lisse. Moi, j'aime bien quand c'est bien fait. Hop. Donc, nous voilà une B6. Excusez-moi, je retire ma veste, j'ai chaud, là. Un coup, j'ai chaud, un coup, j'ai froid.
Je ne suis pas malade pourtant. Enfin, je crois pas. Si j'arrive à la retirer, voilà. Hop. Donc, en regardant le schéma, donc ça, c'est le bas, là où il y a le trou, là. Et là, c'est le haut. Et le petit banc va venir se mettre à fleur. Voilà. Ici. 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 Vous voyez? Hop. Donc, normalement, on le pose. Alors, attendez, parce que à la limite, il faut vraiment le coller tout de suite pour qu'il reste bien droit. Donc, on va le coller. Allez, c'est parti. Alors, on va mettre de la colle sur le banc. Ici et ici. Allez, c'est parti. Je suis trop contente que vous m'ayez demandé de continuer avec vous. Franchement, je pense que je mettrai une vidéo par semaine. Bon, je vais prendre mon bloc là cette fois parce que là ça rigole plus. Hein, parce que je vais mettre en programmation. Alors, ah ça y est, la meuf, hein, elle est en train de crâner. Hein. Non, je rigole. Donc on vient le mettre à fleur. Comme ça. Il ne faut pas qu'il se décolle en même temps. C'est comme le système du meuble. Hein. C'est vraiment au début. Et voilà. On a notre qui commence à se former. On va le laisser comme ceci. Ensuite, ils nous disent qu'il faut deux petites tiges B7. Par contre, sur cette plaque-là, hein, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais je n'ai pas eu trop de chance. On ne voit pas bien les chiffres. Alors, B7, c'est les plus petites ici. Là, vous en avez des plus grandes qui sont biseautées. Hein, je ne sais pas où elles vont, celles-ci. Pour l'instant, je ne les vois pas. J'en sais rien. Je sais pas, ça va peut-être pas pour ça. Parce qu'après, bon bah, on n'a plus de meubles pour l'instant. Après, il faudra monter les petites fleurs et tout ça. Et ça, c'est quoi, là? B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. Le B8. Ah, si, il est là. Ah oui, ça sera pour mettre sur le côté du toit. Voilà. Bon, alors, j'arrête. Maintenant, on va prendre B7. Donc, les petites barres. Alors, c'est tout petit, par contre. Oh, tout petit, bon, il y a plus grand, mais il y a plus petit. Mais bon, ils sont petites quand même. Alors, j'essaye. Voilà. Vous entendez le petit clac. Oh, mais il m'énerve ce cutter. Pourtant, je mets la sécurité. Hein. Normalement, la lame ne doit pas rentrer, mais à mon avis, il est un peu vieux. Il va falloir que je réinvestisse dans un autre petit cutter. Alors, normalement, j'en ai une là. Ah, attendez, j'ai encore un petit... C'est pour ça, hein, soyez vigilants quand vous passez votre lame de cutter. Bon, j'en ai un gros, mais le gros, j'ai peur que ça soit trop gros. Alors, je cherche. Voilà, je l'ai trouvé. Hop. Voilà. Oui, ça s'en va tout seul. Hein. Donc, c'est ceux-là, les petites. Donc, pareil, moi... Je passe un petit peu de papier de verre. Je suis sûre que tout est bien lisse. Je me répète, je radote. Hop. Je regarde combien de temps parce que je vais pas faire des vidéos plus d'une demi-heure. Parce que bon, je pense pas que ça nécessite quoi que une demi-heure de montage. Je ne sais pas. Par contre, la prochaine vidéo, on va s'amuser. Hein, on va confectionner le rosier qui va dessus, en fait. Voilà, alors préparez-vous. Alors ça va en haut. Alors, je le remets là. Donc, on a notre petit banc. Vous voyez, là. Comme ça. Hop.
Et donc ça va en haut. Je regarde dans le bon sens. Donc on va les coller en haut, comme ceci. Je regarde à quel endroit exactement. En dessous, vous voyez là, vous avez les petits bouts qui partent en biseau. Il faut les coller juste en dessous, le biseau à champ, qu'on voit la peinture à l'extérieur et les deux côtés. D'accord? Donc ils nous disent comme ça, d'accord? À champ, à fleur, ouais. En dessous du biseau, hein. D'accord? Alors, il faut juste mettre un tout petit peu de colle. Ben alors là, là j'en avais un petit peu sur le bouchon. Ça tombe bien. Hop. On va faire l'autre côté déjà. C'est plus compliqué pour moi. Attends. Je tremble un peu. Alors, ah! Ouais. C'est pas grave. On prend son temps. Voilà. Donc bien la fleur est juste en dessous du biseau. Moi j'appelle ça comme ça. Voilà. Hop. On va mettre l'autre maintenant. L'autre maintenant. Ah bah si vous savez comment ça s'appelle, dites-le moi ça. Pour mettre dans les jardins, vous savez. Oui, il y a des fleurs qui grimpent. Qui grimpe hein, à travers des trous, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. La prochaine étape, il faut qu'on fasse la fleur qui grimpe. Alors, autant que pour les meufs, je me dis que ça va. Autant que pour confectionner les fleurs, vraiment, j'en suis pas sûre. Donc, bah écoutez, voilà, on en est là. Plutôt bien. Hein. Ah, bah non, c'est pas des trucs à faire, ça. Zouzou, Zabou, enfin. Comme vous voulez. Alors, c'est Zabou, c'est Zouzou, c'est Zazou. Bon, vous choisissez celui qui vous plaît. Hein. Voilà. Donc, je le replace. Allez. Voilà. Ça, c'est top. Donc, on va le mettre sur le côté pour qu'il sèche un petit peu. Hop. Voilà. Ensuite. Je vais le remettre quand même un peu sur le devant, vous le voyez quand même. Voilà. Donc, on a fait ça. On a fait la première ligne. D'accord? On va faire maintenant la deuxième ligne. Ah oui, il faudra coller la deuxième B6 comme ceci au-dessus. Donc, on va la démonter. Bah oui. Franchement, c'est trop cool à faire, j'adore. Je m'éclate en fait. Comme un gosse à Noël avec son jouet. Alors, est-ce qu'il est... Ouais, là, oui. Là, oui aussi. Ah bah oui, celle-ci, ça va. Elle tenait pas beaucoup. Donc, c'est nickel. Hop, un petit bout, un petit coup de grattoir. Restez bien sur les bords de bois, hein. N'allez pas passer le papier de verre sur la peinture parce que je pense que ça l'enlèverait, hein. Vraiment. Hein. Alors, je regarde si j'ai pas de défaut, on va le mettre comme ça. Et donc il va venir se mettre dessus. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Il va falloir faire super gaffe. D'accord? Alors, on va venir mettre. Alors, surtout aux deux tiges là par contre. Ça m'ennuie un peu, ça m'ennuie un peu. Alors, je crois que... Alors, il va venir comme ça. Hop. Donc, je vais venir mettre un peu de colle en haut pour les deux tiges. Voilà. Hop. Puis, on a le temps de la travailler. Pour le temps de sécher, quoi. Ça ne sèche pas tout de suite. Et on va venir mettre... Donc, il va dans ce sens-là. Donc, de la colle sur... La barre du bas et sur le côté. D'accord? Allez, c'est parti. Barre du bas. Côté.
Bon, après, c'est approximatif. Après, j'aurais pu mettre de la colle sur le banc, mais je veux pas parce que, comme il est peut-être pas non plus tout à fait collé encore, donc du coup, j'ai pas envie de leur casser. Déjà que là, c'est périlleux. C'est périlleux. Parce qu'il faut qu'il soit vraiment à champ et d'appoint, hein, parce que sinon, ça va être bancal. Hop. Voilà, je pense que je vais te retourner. Alors, là, je pense que je suis vraiment pas trop loin d'être droit. Attends, je vais remonter un petit peu. De ce côté-là, ça a l'air d'aller. Si on le lève, ça tient, à votre avis? On va voir. Hop. Oh. Est-ce que c'est droit, ça? Alors maintenant, je le règle. Vraiment qui colle droit. Là. Voilà. Hop, on va le mettre du coup maintenant. On va le coucher de l'autre côté. Est-ce qu'il a bougé? Oui, il a bougé. Oh là là là. Bon, c'est pas grave, je le remets. Hop, faut pas s'énerver surtout. Si on bouge un peu. C'est pas trop grave, on a le temps de le travailler. C'est comme de la colle quand on fait un album, hein, ou une carte, ou on met de la colle exprès pour avoir le temps de bon, de le bouger si on n'est pas droit, hein, tout ça. Voilà, c'est pareil. Hop. Hop. Alors. Je regarde. Voilà. Pas très droit tout ça. Ah bah moi je suis minutieuse, hein. Vraiment, hein. Voilà. Par contre, cette petite barre là, elle m'embête. Il n'y en a qu'une qui m'embête par contre. Voilà. Ah long. Voilà, je vais la tenir un petit peu. Qu'il est bien un champ. Oui, c'est bien. Je revérifie. Hein. Voilà. Donc, la voilà. Alors, j'ose pas trop. Voilà, on a notre petit banc. Alors. On croirait comme ça qu'il n'est pas droit, mais franchement, moi, je vous dis qu'il est droit. Hein. Vraiment. Ouais. Toujours cette petite barre, on dirait qu'elle est plus petite que les autres. Bah ouais, ça. Mais dis donc. Allez, mets-toi à ta place. Voilà. Donc voilà, on a monté notre petit banc. Voilà. Hop. Bon, maintenant, il va falloir le laisser sécher. Vraiment, parce que là, on va pas pouvoir rajouter autre chose pour cette vidéo-là, parce qu'après, on va mettre le toit. Donc, ce qui est là. Par contre, j'ai encore ça. Je sais pas où ça va, ça, encore. C'est bizarre, hein. Et voilà, cette pièce. Ouais, il montre pas où elle va. Alors, peut-être qu'elle va dans un autre meuble, je sais pas. Là, ça fonctionne par couleur, je limite. J'ai envie de dire. Alors, je ne sais pas. C'est le...
B3. B3, bah, on s'en sert pas pour ça, hein. Non, 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 non. Bon, bah, tant pis. On va démonter déjà, donc, le B4. Et les deux, donc, petites tiges qui sont biseautées en haut, les B8. Je regarde le temps qui nous reste. Hein, parce que là, je vous dis, j'ai pas envie de faire des vidéos de... Voilà. 30 minutes, c'est déjà bien. Ah, mais toi, tu m'énerves. Hein. Alors, vraiment, que je réinvestisse dans un autre cutter. Alors, n'ayez pas peur. Je risque pas de me couper. C'est pas le problème. Mais le problème, c'est que je mets la sécurité pour pas que la lame, elle rentre. Mais bon, elle rentre quand même, voilà. Elle rentre quand même parce que... Bah, l'écran, je pense qu'ils sont vieux. Hein. Comme, voilà, ça fait longtemps que je l'ai. Donc, hop, on retire les deux petites barres. Voilà. Et l'espèce de petit sommier qu'on a là. Alors là, par contre, celui-là, il est fixé où? Sur les côtés. Hop. 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 Ah, oh, tu manquais Kine. Alors que j'en ai acheté un chez Action. Encore l'opportunité d'y retourner, j'avoue, c'est ça. Ouais. Mais bon, faut quand même que j'y retourne parce que j'ai racheté 2-3 bricoles pour le calendrier de l'avant de mes filles. Hop, on enlève ça. Et après, donc, on va coller les petites barres en dessous. Et qui viendront se poser dessus. D'accord? Donc, moi, hop. Alors, les biseaux, dans quel sens? Alors, les biseaux, la pointe vers le bas. Attendez, j'ai un petit truc qui... n'a pas. Donc, vous voyez, le biseau, il part comme ça. Donc, il faut coller le dessous. D'accord? Sur l'espèce de petit sommier qu'on a là. Et hop. C'est parti, on colle. Hop. Après, j'assemblerai le haut. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Parce que là, on n'a pas de papier à coller. Hein, c'est. J'appelle ça une verrière. C'est pas une verrière du tout. Mais je me rappelle plus du nom. Une roseraie ou je sais pas. Allez. Bien le mettre dessus. Là, faut pas loucher. Hein. Hop. Voilà. Et on va coller la deuxième. Pareil, les biseaux. Comme ça, là. Comme ça. Vers le bas. Hein. D'accord. Allez. On colle. Après, vous vous étiez de la notice. Hein. Vous regardez pas que moi. Hein, si vous la faites. Hein. D'accord. Hop. C'est parti, on colle. Hop. Bien droit. Hop. Ça. Mettre à bonne distance. Ah. Voilà. Attendez, je vais essayer de l'attraper. Donc, ça vous donne ceci. Une fois que ça sera sec, il faudra venir la retourner et elle va se poser simplement dessus. Alors, je pense quand même que faudra la coller, hein. Vraiment. Hein. Alors, le B5, la pièce qui nous reste dessus, là, B3, ben, elle n'y est pas sur le schéma. Je comprends pas. B3. Ah! Peut-être que ça sera pour faire une petite barrière quelque part. Hein. Je sais pas, sûrement. J'en sais rien. Vraiment. Je ne sais pas. Donc, en tous les cas, voilà. Bon, celui-là est pas sec. Hop. Je vais le faire sécher tranquillou. Et
notre petite chose. Avec le petit banc. Regardez comme c'est mignon. Vraiment. C'est vraiment l'authentique d'une vraie, en fait. Hein. Vraiment, c'est trop beau, quoi. Moi, j'adore. Hein. J'adore, j'adore. Hop. Comme ceci. Et... Oh, non. Je sais pas si c'est un effet d'optique avec la plaque. Ouais, voilà. C'est mieux. Après, c'est vraiment... vraiment, vraiment, au millimètre près. Hein. Je crois savoir ce qui cloche. Hop. Je crois que c'est celui-là qui cloche un peu. Voilà. Dis, on a un peu le temps de le retravailler. Pas le souci. Toi, elle a encore bougé celle-ci, c'est pas vrai. Pas vrai, hein. Il n'y a toujours qu'une qui bouge en haut, là. Puis alors là, elle n'est pas droit, hein. Je dis, je suis vraiment minutieuse. Vous allez me dire, elle est vraiment minutieuse. Hein. Oui, voilà. Bon, ça va le faire. Hop, voilà. Donc, cette petite chose que je ne sais plus comment ça s'appelle est finie. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis, un petit com, un petit like, un petit abonnement. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.